L'apprentissage de la guitare s'est fait vraiment très très fort pendant les 3 premières années. Je pense que je jouais 5 heures par jour. Ça a été très très violent, vraiment la passion forte là. Tu es quand même très reconnu dans le milieu par rapport à la guitare. J'ai fait mon apprentissage à travers Maxime Le Forestier, Graham Albright et aussi François Béranger. Natacha, ton nom c'est déjà un voyage. À quoi bon dépenser nos sous, à partir et pour où? À partir, j'aime mieux les rivages ombreux de notre grand lit au drap bleu, où l'on découvre des merveilles. C'est une plaine à blé où le lion court après la vierge dans le soleil de juillet. Et la plaine, quand elle finit, c'est pour venir caresser des montagnes douces où je cueille des fruits des lectables. Bon, j'ai continué à écrire, mais je pense que j'ai pas la. Le talent réel d'un auteur. J'ai eu des petits traits de talent de temps en temps, ce qui m'a permis de faire quelques chansons dans le parcours, mais pas suffisamment pour faire, même si j'ai gagné des concours d'auteur-compositeur, mais c'est bien quand même, tu fais un concours, tu arrives avec 2 chansons. Mais bon, ça suffit pas pour faire une carrière. Comme un marin perdu en mer, qui ne sait plus où faire avancer son bateau. Avant de sombrer, peut-être reprendre un dernier verre en regardant le ciel, en cherchant les oiseaux. Trop longtemps qu'il est là, dans sa drôle de galère. Sa tangue et le roulis l'empêchent de marcher droit. Mais si un beau matin, il retrouve la terre, il lui faudra du temps, il lui faudra la foi. Il a pris l'habitude de naviguer tout seul, sans jamais de repos, sans armée, sans femme au bout du quai. Les jours où le vent le pousse dans le dos, oh, il se laisse guider par les courants glissés au fil de l'eau. Par les courants glissés. Je savais qu'il y avait de la qualité dans ce que je gardais, mais dans ce qui était fait en général, non, il y avait 90% de ce que je faisais qui était à jeter, quoi. Plutôt que de faire n'importe quoi pour faire, j'ai préféré arrêter et puis de me consacrer à... J'ai recherché où était le talent, finalement, il était plus dans la conception de mélodie, la guitare. Les lignes mélodiques. Et quand on me donne des textes à mettre en musique aussi, j'ai un certain talent pour mettre en musique des choses, quoi. Mais auteur, c'est difficile.
C'est vraiment très difficile. Pourtant, j'ai fréquenté beaucoup d'auteurs. Hein. J'ai travaillé avec Gilles Vigneault pendant pas mal d'années. C'est que c'est un modèle, je veux dire, pas par ce qu'il écrit, mais par sa façon de penser. Je suis trop loin de cette façon de... Je peux pas, c'est trop dur. Est-ce que tu penses que ta musique à toi a évolué avec les années ? J'espère, oui, que ça a évolué. Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais je le constate quand même, parce que je vois que de plus en plus autour de moi, il y a des gens que je considérais comme des gens que je pourrais jamais rencontrer, des gens intouchables, comme Michel Aumont, par exemple. Moi qui ai commencé à la guitare en jouant du Maxime Le Forestier, et puis me retrouver sur scène et en studio avec un gars qui a joué avec Maxime Le Forestier, c'était comme... Oui, alors, avec le recul, on se dit, ben, si je suis arrivé jusque-là, c'est que forcément, il y a eu une évolution. Forcément. Et tant mieux, hein. Arrivent les uns sans qu'on les... Ça se prévoit pas, je pense pas. Ça arrive comme ça. La magie de la vie qui fait qu'on rencontre une personne et puis pof, on part sur un projet. C'est un peu comme ça que je fonctionne, en fait. Il y a aussi la scène. J'imagine que c'est très important. Comment est-ce que tu prépares une scène et comment tu vis la scène ? C'est mystérieux, la scène, hein, quand même, tu vois. C'est vraiment très, très spécial de se retrouver devant des gens et d'être maître du son et de la lumière pendant une heure et demie, deux heures, voire plus. C'est très, très spécial. Il y a des talents comme Vianney, par exemple, qui est jeune et qui a déjà une approche de la scène très, très, très évoluée. Moi, ça m'a pris pas mal d'années pour arriver à faire, mettons, un spectacle aussi en allant regarder les autres, en voyant les confrères. J'ai eu la chance d'être backstage sur beaucoup de spectacles professionnels, donc j'ai... Voilà, il y a un apprentissage qui se fait de transmission orale, on va dire. Je sais que j'ai eu le trac assez longtemps. Il a disparu en 95, mais ça m'a pris un an de travail pour pouvoir faire disparaître. En tout cas, pas complètement, mais le trac qui restait était petit et j'ai réussi à le transformer en énergie positive. Quel est ton rapport avec le public, du coup ? Ce sont des amis. S'ils viennent te voir, c'est un peu comme ça que j'ai lutté contre le trac aussi. Je veux dire, quand tu es chez toi et que tu reçois des amis, si tu casses un verre, il n'y a pas de problème. Si tu renverses un verre de vin sur la nappe, c'est ta nappe. Si tu casses le verre, c'est ton verre. Tu n'as pas à te sentir mal. Tu es chez toi. Donc, je considère que la scène, c'est chez moi et que les amis viennent chez moi. C'est une invitation. Et il y a un échange qui se fait tout à fait très, très amical et simple.